Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2021. Ce tirage s'inscrit dans celui que j'ai pu faire le saisonnier au niveau de l'été. Voilà, j'ai souhaité faire celui de l'été avant celui du mois de juillet pour que on voit dans quoi va s'inscrire en fait cette saison pour vous au niveau professionnel. Alors, vous aviez eu en carte de coupe dans le tarot les amoureux. Donc, les amoureux, j'avais indiqué que c'était la possibilité de faire un choix, d'avoir une décision à prendre et faire le choix du cœur. Donc, peut-être hésitez-vous entre deux situations, deux postes. Voilà, on va voir dans quelle mesure ce tirage mensuel résonne avec celui que j'ai pu faire il y a quelques jours. Alors, je commence avec le tarot italien pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. L'évolution sur le mois de juillet 2021 pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. Alors, on a la carte de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée nous dit que vous allez faire preuve de rationalité, de sang-froid. C'est une énergie qui dit que vous n'allez pas faire dans les sentiments, dans les émotions. Vous avez finalement la capacité à agir de manière impartiale, froide, rationnelle. Alors, on va voir 5 cartes maintenant pour l'évolution sur le mois de juillet. La carte de la papesse, peut-être une formation qui débute pour vous. La papesse, c'est aussi le fait qu'il y ait des choses non dites, une version officielle que vous tenez et ce que vous savez au fond. Il y a quelque chose peut-être de mystérieux que vous tenez à garder confidentiel. Pour vous, les Sagittaires, au mois de juillet 2021. Voilà, elle est ici. Donc, on est sur du travail appliqué, qualifié. Vous êtes peut-être, voyez, méticuleux, minutieux. Le 8 de denier, c'est également le fait de chercher à rendre le travail plus efficace. C'est aussi le fait de vous dévouer à quelque chose, de vous appliquer, de vous d'œuvrer pour que les choses avancent et que vous puissiez peut-être dès aujourd'hui vous projeter dans quelque chose de plus long terme. C'est un peu par peut-être que vous vous dévouez à quelque chose par précaution pour assurer vos arrières à l'avenir avec le 2 de bâton. Hein. Le 2 de bâton, ça peut vouloir dire également que vous essayez d'évaluer, de planifier quelque chose. Donc, à mon avis, c'est par rapport au fait de prévoir, de vous projeter dans l'avenir. Et c'est possible que vous ayez une idée derrière la tête par rapport à ça et que vous n'en fassiez pas part à votre entourage professionnel. Vous gardez ça pour vous. Peut-être c'est une formation que vous faites en parallèle de en parallèle de votre activité et vous ne souhaitez pas que ça se sache. Et cette formation, peut-être vous vous dites, on verra bien ce que ça va donner, je me déciderai dans quoi je m'oriente un peu plus tard. Alors, pour vous les Sagittaires, quelle évolution sur le mois de juillet 2021 dans le domaine professionnel? Alors, on a l'as de bâton. Oui, je pense que vous souhaitez prendre un nouveau départ. Et ici, on a la carte de la justice. À un moment, vous allez prendre conscience de ce que vous préférez, de ce que vous désirez vraiment et trancher une situation, acter quelque chose. C'est peut-être même la prise de conscience, je pense,
Vous savez, quand vous avez eu la carte des amoureux et qu'il y a un choix à faire, un choix de cœur, eh bien là, en ce mois de juillet, j'ai l'impression que simplement vous prenez conscience des choses, de ce qui vous plaît, parce que peut-être vous avez découvert une nouvelle voie en vous formant, en vous enrichissant de nouvelles connaissances, et ça vous donne envie d'aller de l'avant, voyez, vous êtes déterminé, et vous vous dites, je crois que c'est vraiment pour ça que je suis fait ou faite. C'est pour ça que peut-être serez-vous amené à choisir un moment entre deux voies possibles. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on a l'impression qu'il pourrait y avoir un nouveau contrat là qui soit signé après une période de formation. Une formation qui soit qualifiante avec la PAPES. On valide des connaissances, mais en même temps, avec le 8 de denier, on est plutôt dans le côté savoir-faire. Donc, peut-être que cette formation va vous permettre de signer un nouveau contrat. Allez, avec l'oracle G pour vous les Sagittaires. Alors sachez que j'organise un jeu concours pour gagner des consultations privées. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Et pour les 1 an de la chaîne, je vous propose de gagner 3 consultations privées. Donc allez voir les modalités de participation à ce jeu et tentez votre chance. Vous ne pouvez avoir voilà, que la chance de gagner et aucun autre risque pour vous que de tenter votre chance. Donc n'hésitez pas à participer. Alors pour vous les Sagittaires, au mois de juillet 2021, quelle est l'évolution au niveau professionnel? Celle-là, elle veut se détacher. Peut-être une formation où vous développez un intérêt pour tout ce qui est artistique, créatif, qui fait appel à votre imagination. Ça peut être les arts, la culture, d'une manière générale hein, aussi. Si c'est pas ça, c'est peut-être tout simplement que vous achetez une certaine tranquillité en ne disant pas ce que vous savez et en voyez, vous cherchez, enfin, vous voulez pas qu'on vienne vous embêter à vous poser des questions et pour avoir la paix et l'harmonie, vous préférez taire un certain nombre d'idées que vous avez derrière la tête. Allez, les Sagittaires, au mois de juillet. L'évolution. Oui, c'est quelque chose qui est peut-être en rapport avec le développement personnel, l'ésotérisme, l'occulte. En tout cas, avec la carte de la bougie, c'est vraiment tenu secret. On a l'impression que, en termes d'évaluation, vous voyez les choses de manière un peu compliquée. Voyez, par rapport aux perspectives, là, je vous disais, vous essayez de planifier, de prévoir, de projeter, mais il y a un peu comme un brouillard là au-dessus de votre tête. Vous avez du mal à savoir comment organiser votre activité parce que peut-être deux choses entrent un peu en contradiction et vous ne voulez pas dire un petit peu, réfléchir avec vos collaborateurs à haute voix. C'est en fait c'est ce qui rend les choses un peu plus complexes peut-être hein, avec vos collègues, vos collaborateurs. En tout cas dans le cadre professionnel, vous gardez un peu ça pour vous, mais bah, du coup c'est plus difficile à mettre en œuvre parce que il faut agir de manière masquée, je dirais. Hein. Alors pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. Sur le mois de juillet 2021, quelle évolution? Voilà. Ah, c'est peut-être par rapport à une personne de sexe opposé, cette décision.
Alors, les symboles sexuels, c'est vrai que c'est peut-être un partenariat, une association avec une personne du sexe opposé au vôtre, ou alors ça pourrait être peut-être que vous ne le dites pas à votre conjoint. Et ça rend les choses un peu difficiles. Vous ne dites pas à votre conjoint ce que vous avez derrière la tête au niveau professionnel. Ou sinon, vous êtes en train de faire une entente, un partenariat que vous gardez, enfin, un peu secret. Voilà, c'est un peu compliqué, mais on voit que ça vous amène sur un nouveau départ quand même. J'ai l'impression que vous mettez en place quand même quelque chose, secrètement, moi. Et vous faites en sorte que ce soit quelque chose qui soit juste pour vous et équilibré. Vous voyez, c'est une décision que vous prenez, une projection que vous faites pour retrouver finalement un équilibre. Parce que là, peut-être que tel que c'est fait, ça ne vous convient pas. Et on dirait que vous essayez d'arranger les choses à votre façon pour qu'elles vous correspondent mieux. Alors ici, on a la carte des nombres. Bon, moi, j'y verrais une opportunité, une chance. Peut-être aussi, avec la carte de la justice, un dédommagement, puisque ça pourrait être un compte rendu de justice qui fait que on a peut-être Oui, un dédommagement ou une indemnité, voilà, c'est peut-être le terme, une indemnité par rapport à des problèmes qu'on a rencontrés avec une personne de sexe opposé, des choses qu'on n'a pas révélées jusque-là. Sinon, avec la carte des nombres, ça va être également tout ce qui... est en rapport peut-être avec de mettre de l'ordre dans les comptes, de faire un bilan, voyez, au niveau comptable, puisque vous aviez la reine d'épée, d'accord, c'est le côté rationnel, carré, impartial qui réfléchit. Je pense que vous faites un audit peut-être, ou vous demandez un bilan comptable pour évaluer, la faisabilité d'un projet que vous avez derrière la tête avec une personne de sexe opposé. Voilà. Bon, là, j'ai dit ça comme ça. On verra dans quelle mesure ça fait écho à vos intentions ou votre réalité en tout cas. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Et si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Sinon, merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Tout ça est très positif pour moi. Ça fait prospérer la chaîne. Donc, je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir.